c'est Pyrux et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier match avec cette même, exacte même team. Elle nous a fait plaisir, on l'a plus gagné que perdu, je suis content. On a perdu je crois deux fois seulement, hein, donc c'est pas vraiment beaucoup. Alors, on va pas tout de suite s'exciter parce que là, aujourd'hui on a deux matchs, donc est-ce qu'on va les gagner ou pas, ça on verra bien. Donc, comme je vous l'ai dit dans les précédents, n'hésitez pas à commenter et dire déjà si vous kiffez. De toute façon, si vous kiffez pas vraiment les VGC, c'est pas si grave que ça vu que je fais aussi un peu de solo. Enfin, j'essaierai d'en faire en tout cas. Je sais pas si j'en aurais fait entre temps où il y a ma caméra qui fait un câble. Du coup, je dois faire des trucs. Voilà. Et n'hésitez pas à proposer des Pokémon pour les voir jouer comme ça en VGC. Même si maintenant, vu que je compte en points, c'est de plus en plus dur de jouer avec des teams un peu random, on va dire, avec des Pokémon random. Mais n'hésitez pas, moi ça me dérange pas de perdre. C'est pas dramatique. Hein. C'est pas dramatique. Puis dans une team, s'il y a un Pokémon qui est. Genre, si par exemple vous me dites joue tel ou tel Pokémon et qu'il est pas exceptionnel, genre Milobelus et qu'il est bon, moins bon que Suicune, c'est clair. Mais je peux très bien l'essayer quoi, y a pas de soucis, c'est pas grave. C'est pas grave ici si je perds, je suis pas là pour faire 2000 points. Quoi. Même si, bon, je dis pas non si j'arrive à 2000 points. On est parti pour deux matchs, on est à 1758 points d'ailleurs, on est à 32 victoires et 14 défaites. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oui, je parle avec les mains, normal, je suis italien, tout va bien, c'est normal. J'aurais dû peut-être prendre une boisson, je commence à avoir soif. Oui. Bon, on va prendre la musique 2. Même si vous... Ah non, mais vous entendez pas la musique, vous. Moi, j'entends. Vous, pas. Vous, je vous mettrai des musiques de fond. Parce que je me suis dit que les musiques de jeu, c'est un peu chiant. Alors, du coup, je vous mets des musiques de soit de manga, soit de remix trop stylé de Pokémon. TMTC, toi, tu sais comment on gère. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Recherche un adversaire en cours. S'il n'y a plus d'adversaire, moi, je dis, c'est pas grave. Je fais pas de vidéo, y'a pas de soucis. Donc j'espère que ces combats un petit peu en live vous font plaisir. Donc là, on va vu qu'on l'a pas trouvé en haut, au niveau des points, on a pris en bas. Ça veut strictement rien dire, en l'occurrence ici. Ouais. Alors, on a du Ectoplasma qui va être joué directement parce qu'il peut être feu follet, le Misty Bull qui peut faire très peur. Je peux vonglacer 4 Pokémon. Enfin, que c'est efficace, quoi. Et... Terrakion aussi, je peux le feu follet, même si c'est pas ce que je vais faire si je le vois. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Ectoplasma Suicune, toujours. Même si là, il peut mettre son golet, donc ça me sera un peu chier. On va mettre. S'il met golet, par exemple, imaginons, il met golet. Qu'est-ce qu'on ferait contre lui? J'ai laser glace et tout, mais. Je devrais mettre Ictran. Hein. Je devrais mettre Ictran. Malheureusement, close combat. Moyen, quoi, moyen. On va mettre Terrakion quand même parce que bon, c'est pour les deux Trioxydre et pour les deux Demeteros et Fulguris là. Florizarre. Est-ce que Florizarre pourrait être intéressant? Écoutez, on va essayer de mettre Ictran hein, parce que si Mégolet, il est dans l'os quoi. Au moins. Ouais. Après. Non, on va jouer comme ça. Parce que Florizarre, je vois pas l'apport qu'il pourrait apporter. Je vois pas vraiment un apport dans ce match. Quirino, let's go! Let's go! Faisons-nous plaisir surtout, hein, tout d'abord. Et après, bien sûr, on va éclater notre ennemi. Alors, Ectoplasma Suicune, le petit duo que je préfère, en tout cas de ma team, parce qu'il se complète très bien. Et du coup, on a Golet, putain de merde. Bon, là, c'est simple. On va calmer le golet direct, hein, parce que j'ai pas envie qu'il nous fasse des conneries. Et on va... Ébullition. Je m'en fous. Oh putain, j'en suis vraiment arrière. J'ai oublié qu'il pouvait faire... C'est pas grave. Provoque, s'il te plaît. Provoque, très bien. Très bien. QUOI? C'est quoi ce truc de fou? Oh putain. Oh l'enfoiré, il y a un truc contre la provoque. J'aurais dû m'en douter. Oh là, il va faire chier. Là, il va faire chier. Bon, là, on va switch. On va switch, mais sur qui? Oh mon dieu. Bon, je fais ça parce que... je sais pas. Non, mais je dis que...
ça, il va pas refaire sport sur lui. Poudre fureur. Oh putain, ce bâtard de golet. Il fait boule manquée. Okay. C'est pas dramatique. Ok, j'ai la trouille. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma gueule? Putain de bâtard. Vas-y, je vais refaire poudre fourreur, vas-y, fais-toi plaisir. Bah oui, il refait. Faudrait que je le gèle, ce machin, parce qu'il me casse les couilles. Je savais qu'il allait me casser les couilles. C'est sûr. Putain. Vas-y, gèle-le! On va être avec le plasma parce que je sens qu'il va refaire plus combat. Pokémon. Bon, il aurait pu faire re-sport en fait. Hein. Je sais pas pourquoi il fait pas ça. Bah, il fait pas ça parce qu'il a pas envie que je combat son truc. Hein. Ce qui est normal. Vas-y. Vas-y, dégage. J'espère qu'il fait close combat. Oh putain. Oh. Il va faire mal par contre. Alors. Là, par contre, ça déconne plus. Oh, il a anticipé. Un petit gel. Un petit gel, je dis pas non. Oh putain, bâtard. Bon, c'est quoi? Faut prier là, faut prier ma gueule. Oh putain, là il va faire crocalinerie. Bon, il est plus lent. Il est plus lent. Ah, mais il va faire Kuba. Ah, s'il fait Kuba, c'est pas si mal parce que j'ai fait fou là. Et je dors. Putain. Ah, yeah. Vas-y, faut pas que j'aie de problème, vas-y. Pas de problème. Pas de problème, s'il te plaît. Yes. Non, je pense qu'il a la Véprine, lui, donc c'est pour ça que... Enfin, j'espère pas trop, de toute façon. Enfin, voilà, il a la Véprine, vas-y. Voilà, voilà, on sait tous. Putain. L'attaque. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce qu'on fait vent arrière? On fait abri. Ok. Et on fait vent arrière. Comme ça, s'il fait coup bas, on le nique. Bon, vas-y, on tente. On est des fous, vas-y, fais abri avec Terrakium. S'il te plaît, t'as peur de mon Terrakium? Il est scarf, mon gars. T'as peur? Fais abri. Vas-y. Yes, il retire son Terrakium, il a eu peur. Non, pas lui. Est-ce qu'il va faire Kuba? Ok, il fait rien du tout. Il s'en bat les couilles. Il va faire poudre fureur, on est d'accord. Donc on fait éboulement. Je sais pas s'il fait poudre fureur. Bon, on s'en fout, c'est pas cool. Bon, lui va faire calinerie, donc c'est divisé par 4. Voilà, j'ai mes chips. Allez, là c'est chaud. Alors franchement, ce match c'est plutôt chaud, il est bon. En fait, c'est pas lui qui est bon, c'est ce machin, c'est ce golet. Je savais dès le début que ce golet allait me casser les couilles. Je savais. Oh, donc j'ai pris Itran. Bon, moi, je peux faire. Vas-y, qu'est-ce qu'il va me faire en fait? Où t'as ça? Abri? Putain, il fait abri, ce con! Mais d'où il me fait abri? D'où il me fait abri comme ça? D'où? Vas-y. Flinch un peu! Tête de fer. Ok, je comprends pas. Je comprends. Comment il a pu jouer comme ça? Enfin, j'ai pas saisi. Parce que là, je faisais close combat, il ramassait.
Bon. Là, on est clair qu'on est dans la merde. Hein. On est dans la grosse merdasse. Vous savez quoi? On va faire laser glace, canicule. De toute façon, au pire, il va me faire Kuba là pour Sukun. Parce qu'il sait que je vais attaquer. Bon, c'est pas grave. Non, ok. Bon, je fais canicule plus laser glace. Ça va suffire. Canicule. Ouf, je crois qu'il l'avait loupé. Vas-y, ça devrait suffire pour lui faire vraiment pas mal de dégâts. Plus laser glace. Vas-y, voilà. Je vais peut-être lui faire. Non, c'est bon. Le warrior est toujours actif. Je sais pas. Je sais pas si la Kuba en fait. La tête de faire Kainry, on sait pas après. Il a sûrement Kuba, mais il ose pas. Après. Il y a toujours le truc avec moi. Écoutez. Moi je m'en bats les couilles, je fais canicule. Kuba sur. Bon, oh, putain, il m'a niqué. Je crois que j'avais loupé. Il m'a niqué parce qu'il va faire Kuba. Enfin, il va faire close combat. Et du coup, il va me tuer parce que là, j'ai plus la vitesse qu'il y a avec moi. Voilà. Putain. Ah, bah en plus, il a encore Pokémon. Je suis à la masse. Moi, j'espère pour rien. Bon, c'est pas grave. Il a bien joué. Il a très bien joué. J'aurais peut-être dû. Bon, pour le lol, je fais canicule, mais. Mais voilà, il fait close combat. J'ai oublié qu'il a encore un Pokémon. C'est moi, j'espère, je suis là en mode. Allez, vas-y! Et vous êtes là, mais il a encore un Pokémon. Qu'est-ce que t'espères, espèce de con? Effectivement. Mais bon, Golet m'a posé problème comme je l'avais prévu. Et j'aurais dû faire en sorte direct de poser un truc contre Golet. Parce que les Pokémon qui font chier, ils sont toujours en première ligne. Faut se dire ça. Faut se dire ça. Bon. Là, je me suis fait. À voir, même si j'ai eu un petit peu d'espoir à un moment. Après, j'ai oublié que. Bon, après, j'ai oublié que. Voilà quoi. Que ce joueur était pas mauvais du tout. Maintenant, les golets, on sait qu'ils vont les mettre tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a un golet dans la team. Relevez le défi, merci. S'il y a un golet dans la team, on va faire attention. Hein, on est d'accord. Parce que le problème, c'était pas si mal joué en fait. Il avait un objet contre ça. Maintenant, je le sais. Alors maintenant, ce que je pourrais faire, c'est que contre les golets, si j'envoie Ectoplasma, je vois Ectoplasma et il traîne comme ça, tu vois. Mais là, il avait envoyé, je crois, Terrakium à côté. Hein. Il avait fait golet, Terrakium, exprès justement contre Itran. Donc il avait vraiment... Non, mais il a très bien joué, 1900, oh bordel, lui, il est bon. Oh, lui, il a niqué la gueule. Alors, Ludicolo, alors il va sûrement les jouer en même temps, mais maintenant, est-ce qu'il va les jouer ici tout de suite? Écoutez. Il va sûrement faire le combo. Donc on va faire un simple Florizarre truc. Contre. Enfin, en plus, on va mettre Suicune parce que Suicune est bon quoi. Enfin, il est tanky, tout ce que vous voulez. Et on va mettre Terrakion un peu par défaut. Parce que Itran se fait niquer. Scalproie. Je vois pas l'intérêt. Donc Terrakion. Là je la sens mal. Là je la sens mal parce que je suis sûr qu'il va pas commencer avec Tarpaulin du colo. Il va les garder ces deux. Il va justement finir avec ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'il mettrait en début quoi? Parce que si moi je commence avec Ectoplasma et Florizarre. Et que lui d'un coup il met des trucs un petit peu random. C'est un peu dangereux quand même parce que je peux déjà feu follet à Mistigul, même si je peux anticiper un abri. Karchakrok idem. Je peux faire vent glacé carrément. S'il y a Karchakrok, je fais vent glacé, hein, je réfléchis même pas. Pour lui faire vraiment un max de dégâts direct. En plus, de lui baisser sa vitesse et du coup de la outspeed avec un peu le reste. Compliqué, vous voyez, compliqué. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et des fois, il faut juste vider tout, se vider. Et un petit peu espérer qu'il ait pris des Pokémon qu'on pensait pas. Voilà, là, en l'occurrence, il commence même pas avec Karchakrok.
Bon, là, Kalendri tente de faire. Bon, Kalendri n'est pas efficace contre mes deux Pokémon. Bon, il a Kuba. Moi, je suis chaud à faire. À faire feu follet. Parce que vent glacé. Si je fais vent glacé. Et qui me fait Kuba. Et qui m'a tout de suite avec l'électrioxyde parce qu'il est scarf. Je l'ai dans l'os. Ouais. Mais feu follet au moins ça limiterait le vestibule, même s'il risque de faire abri. Claire. C'est clair qu'il risque de faire abri. Mais au bout d'un moment, il faut jouer un peu. Écoutez, on va faire Bomberg. Je pense qu'un bon Bomberg sur le Trioxyde va lui faire mal. Allez, c'est... Comme ça, s'il veut faire Kuba avec son... Ça dépend comment il joue. Peut-être que le Trioxyde, elle est juste pas scarf, il est juste normal. Comme ça, j'anticipe le Kuba quand même, si jamais il en fait. Hein, parce que j'ai peur qu'il en fasse un autre Kuba. Même si je pense pas. Je pense qu'il a fait un gros tête de fer, bah, ça me tue aussi. Alors, feu follet. Donc, il fait pas abri. Donc là, on a un Mistibule beaucoup moins puissant. Donc, il était pas scarf. Oh putain, il fait beaucoup de dégâts. Ok, il fait énormément de dégâts. Donc il va être lunette choix, le machin. Et boum. J'évite l'attaque. Par contre, Florizarre, il ramasse tout le pauvre. Il ramasse tout le pauvre. Bon, alors, très bien. Là, ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire un vent glacé. Et on va faire un autre Bomberg. Est-ce que je... Il doit être lunette choix, parce qu'il m'a pas dépassé mon exoplasma, il m'a fait par contre max de dégâts avec Vibre Obscur quand même, je trouve, sur le Florizarre, alors que j'ai des répartes sur le spécial. Je dirais qu'il est lunette choix, qu'il est bloqué sur Vibre Obscur, on verra bien, on va voir ça. Du coup, je fais vent glacé, comme ça s'il switch son Mistibule, parce qu'il sert à rien, peut-être qu'il va le switcher, ça fait c'est cool, pour moi, de toute façon, de toute manière, c'est cool, vent glacé, ça m'octroie un truc de... un bonus. En l'occurrence ici, je lui fais pas assez de dégâts avec Bomberg pour le tuer là. Vent glacé plus Bomberg, ça suffirait. Est-ce que Florizarre dépasserait? Voilà, c'est juste ça qui pourrait arriver. J'ai la ceinture force. Donc ça c'était bon. Maintenant, je fais vent glacé. Je suis censé peut-être, outspeed. Peut-être. Je sais pas si la vitesse elle est prise en compte maintenant direct ou pas. Non. Donc il va me tuer mon truc. Bon, c'est pas grave. Au moins, comme ça, j'entre en scène avec un Pokémon. Les deux qui sont en face de moi me posent pas de problème. Clairement. Parce que là, je peux faire éboulement tranquille. Je tue le Trioxydre. Enfin, est-ce que je fais ça? Parce que... Bon, là, ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire... Est-ce qu'il va me faire... Est-ce que je garde avec le plasma en fait? Je pourrais garder avec le plasma quand même. Et je risque de ramasser un tête de fer là. C'est dangereux ce que je fais. Bon, j'essaye. Et là je fais éboulement. Pour le tuer, espérant que je loupe pas éboulement. Bon, là je fais ectoplasma. Je retire pour qu'il fasse Kuba un peu dans le vent, en espérant qu'il veuille tuer mon ectoplasma. J'espère. En l'occurrence ici, il a pas fait. Du coup, il va faire un gros tête de fer. Donc, au moins, je tue son truc 6, c'est ce que je voulais quand même. Maintenant, il va faire un gros tête de fer, du coup, il a la trouille, ok. Je vais pas m'exciter pour dire ouais, il a une trouille. Bon, ça fait partie de l'attaque. Et j'en avais besoin ici, donc on va pas dire non. Hein, j'ai eu pas de chance dans le précédent, enfin, moins de chance dans le précédent. Et du coup, voilà. Donc. Le Tarpo. Alors là, ici, on va faire un truc. Parce qu'il doit être Scarf, le Tarpo. Lui, il doit être Scarf. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vent arrière. Hein, normal. Et ici, on va faire abri. Tranquille. On pose les bases. Petit à petit, l'autre, il va crever avec sa brûle. Pas de soucis. Comme ça, là, même s'il fait Kuba sur n'importe lesquels des deux, il fait rien, même si c'est con de faire Kuba ici. Donc là, logiquement, il devra attaquer en faisant ébullition avec son. Est-ce que j'avais déjà fait. Non, j'avais pas fait vent arrière. C'est bon, j'ai juste fait vent glacé vite fait. Voilà, donc là c'est bon, j'ai mis mes trucs. Il fait tête de fer sur mon Suicune, donc il ne me fait rien du tout.
Et du coup, maintenant que je dépasse tout le monde, je peux me permettre de faire... Écoutez, on va plutôt faire... On va plutôt... Il est scarf. Je sais même pas si je le tue. On va faire ça. Et ça. C'est juste pour le lol. Alors, close combat. Je le tue pas, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que je dépasse Accablement? C'est juste ça. Je peux le dépasser. Ah, je le dépasse. Mais ce sera pas suffisant pour le tuer, je pense, Accablement. Ah oui, c'est suffisant. Bon. Ah, j'ai fait un coup critique sur le... Sur les deux! T'es sérieux? Non. Ah, j'ai vu sur les deux. Bon, je sais pas si c'était vraiment... Si... Putain, mais même brûlé, il fait d'horribles dégâts, ce machin. Ah, il est violent. Ah, il est violent, le style. Donc ouais, pour moi, une cible brûlée, c'est juste vraiment pour limiter les dégâts, parce que sinon, il fait trop mal. Pour le prochain tour, il crève. Et qu'est-ce qu'il reste, du coup? Donc, j'invite ça avec moi. Il sait que Kuba... Oh putain, je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, qu'est-ce qu'on fait? Oh, oh mon dieu. Est-ce qu'on fait feu follet en anticipant Kuba? Oh, vas-y, vas-y. Yes, 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 yes. Très bien. Pourquoi je m'excite? Parce que là, c'était tendu. Parce que là, il a l'avantage du type, hein, clairement. Il est sous la pluie. Il est surtout sous la pluie, en fait. Donc là, ça va t'attendre. Le vent arrière, faut qu'il reste. Le vent arrière, faut qu'il reste. Il reste encore un tour, je crois. Ok. Donc là, normalement, j'ai la vitesse qui est doublée. Lui, il a sa vitesse qui est doublée aussi. Donc du coup, c'est moi qui est devant. Je fais ça et bombe bloc. Voilà, je dépasse, normal. Bon non, bomber plus les 2-3 tours de brûlure. Allez, en plus j'ai aboiement. Pour être sûr de pas qu'il fasse trop de dégâts, quoi. Voilà. C'est histoire de minimiser les pertes avec Giga Sensu. Très bien. Voilà, c'est bon, le prochain tour il crée. Ouf! C'était, vous voyez, compliqué quand même. Enfin, j'ai bien fait de garder mon ectoplasma. C'était un choix judicieux. Je suis content, je suis fier de moi. Franchement, je suis fier de moi. Je me suis dit, je vais le garder pour plus tard. Et heureusement, parce que là, sinon, Suicune contre Ludicolo. Alors, du coup, là, il va m'outspeed. Ah, attends. Il va m'outspeed là. On va refaire parce que j'ai trop peur. Parce que là. Sur qui? Voilà, sur lui. Ah, j'aurais dû attaquer avec laser glace, mais bon. Il gagne un PV. Voilà, magnifique. Je refais aboiement pour être... Comme ça, il a sa attaque spéciale qui est baissée de beaucoup. C'est vraiment pour maximiser. Et maintenant, je peux lui faire un laser glace. Bon, c'est bon, la pluie s'est arrêtée. C'était juste, hein. J'attendais que la pluie s'arrête quand même. Maintenant, normalement, l'outspeed, et du coup je peux le finir avec laser glace. Et même s'il m'attaque avant, non, c'est pas le cas, même s'il m'attaque avant, bah il m'enlevait, bah je pense qu'il avait une quarantaine de PV, il aurait récupéré du coup 20 PV, et du coup ça aurait été suffisant de faire laser glace plus la brûlure. Voilà, très bien, très bon match, franchement c'était cool. Ah, je me suis amusé sur celui-là, c'était assez tendu jusqu'à la fin. J'ai fait des bons choix, je suis content, c'était un bon match, j'ai fait des bons choix. Lui par contre, bah il était brûlé depuis le début avec son mystibule, donc il faisait pas, enfin il faisait moins de dégâts, mais il restait quand même assez fort, hein, son mystibule, parce que même brûlé, en fait ça annule juste Coloforce, mais ça reste un truc de ouf, il avait une bonne attaque, et du coup il faisait peur, quoi, il faisait mal. Bref, on a fini nos matchs d'aujourd'hui, et du coup bah on va se laisser là. Voilà, voilà, voilà. Voulez-vous continuer à combattre? Je suis juste oui pour vous mettre sur l'écran des Pokémon. Voilà, donc la prochaine fois ça peut changer, je verrai ce que vous avez écrit tout au long des épisodes, quel Pokémon je pourrais rajouter pour changer un petit peu, pour mettre des nouvelles têtes à cette team qui tourne bien, mine de rien. Mais c'est vrai que le Pokémon que j'ai pas vraiment pas utilisé, c'était Scalproa. Du coup Scalproa pourrait être
le Pokémon qui va tout simplement partir de la team parce qu'il y a trop de Terrakion, il y a trop de Pokémon de combat. Du coup, est-ce que je peux remplacer par un Pokémon type Psy, like Cresselia, Gardevoir? C'est une idée. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, mangez des pizzas, j'espère que ça vous plaît ces vidéos. À la prochaine, ciao bye bye, c'était Pyruxel. Ciao ciao.